Béatrice, Béa, bonjour, bon matin. Ah, ça fait du bien. Bon, il faut que je retrouve cette page. Comment vous allez? Lucky, mamie, comment tu vas? Ma chérie, tu vas bien? Joie de vivre divine. Attendez, je vais partager sur l'autre page. Monica. Maria Nguessan, comment ça va? Ok. Oui. C'est la feuille là qui est là. Ok, c'est ça. J'espère que j'ai partagé sur la bonne page. Léopoldine Coco Coquille, comment va? Diane Sib, Sanogo Soul, oui, votre impacteuse très très forte. Maman au Canada, premier pays au monde, vendeuse de poissons et d'atiki. Ake Eloge Landry Adjelou, bonjour, comment ça va? Franck Emma, vous allez bien? Mariam Douk, vous allez bien? Merci. Merci, je suis fatiguée. Hier, j'ai fait mon dîner de Noël au travail, my God, ça m'a épuisée. Ouh là là. Je suis fatiguée. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, hein? Il faut travailler fort pour avoir son pain. Même les riches, là, leurs parents ont travaillé. Et puis, ils ont laissé ça dans leurs mains. Même quand tes parents te laissent là, il faut que tu gères aussi pour assurer la pérennité de la richesse. Donc, si tu ne travailles pas, ok. Bon, là, c'est bien partagé. Bon, vendeuse de poissons et d'atiki. C'est ce que je suis venue ajouter encore à mon background. Eh là là, amouignée, je suis fatiguée. Bref. Bon, Solange Soudre, comment va? Makissia Fadiga. Oh, toi tu t'appelles Makissia. Toi c'est Makissia. Ma grande amie guinéenne ici, elle s'appelle Makissa. Miku Fortuna Tano. Oh, qui a envoyé les étoiles? Mikriba Kone. Comment va? Merci. Bon matin. Merci pour les étoiles. Bon, on va causer un peu. On va causer. Le nombre qui est là me va, mais partager ça va monter. Aya Robert, la fille de Monsieur Robert, en oisiment, hein, je t'appelle ici. Nebi Wileyan, je t'appelle ici. En oisiment, maman. Mazo, Marie Zora, comment vas-tu, petite soeur? J'espère que ça va bien. Oh, perruque rouge là. Soukouma. Ah, tchè, perruque la laisser comme ça. Vous-même, vous ne voyez pas que j'ai fait des efforts. C'est que j'aimais la prenez. Les perruques là, ne regardez pas ça. Parce que comment je me réveille et puis elle dépose sur ma tête là. Prenez seulement. Voilà. Au moins là, regardez ma propriété. Je suis une femme propre. Je viens devant vous. Prenez ça. Hein? Vous voyez mon hygiène. Vous voyez mes messages que je passe. Ça suffit. Mais les affaires des perruques là, pardon, laissez ça. C'est qu'elle porte seulement. Prenez. Même habillement, oh, prenez. C'est pas grave. Voici votre impact. Si votre vieille mère. Rouge là aussi, ça commence à devenir dû maintenant. La dernière fois, j'ai payé. Dit, ah, toi, mais on dirait que tu es dû pour être jeté maintenant. Ah. Non, je vais chercher encore une autre remplaçante de rouge. Voilà, dû. Pas humanaire. Hein. Vous savez que les. On est $300, $400 payer une perruque là. Les deux perruques que j'ai là, on m'a offert ça. Donc, les, quand vous venez me regarder là, laissez les perruques là comme ça. Laissez-les. Voilà. C'est la même là. C'est la plus belle de tout ce qui est parmi les vieilles perruques dues là-bas. Vous comprenez? laissez les perruques, laissez les perruques, elle s'habille pas bien, tout ça là, laissez comme ça. C'est dans mes habillements, Zegbe, là même que mon mari, même les Zegbe qu'elle porte là. Quand moi, elle porte sa pièce, elle dit chérie, tu es bien habillée, j'aime ça. Voyez-vous, non? Donc, si ton mari a le cas, même tu sors derrière, elle dit que chérie, tu es bien habillée, tu as regardé quoi encore à côté, laissez ça. Puis ma fille aussi, elle dit, maman, tu es belle. Bon, les deux personnes qui sont dans ta maison disent que tu es belle, tu es bien habillée. Durant, lui connaît pas que.
C'est, tu allais payer ça même à 300 dollars quand ça doit. Il ne connaît pas la valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de quelque chose, que, quand on dit que Gaou même est mieux, Gaou est heureux là, c'est ça, lui. Avant, là, je l'envoyais dans les coins. Il dit, mais chérie, j'ai donné 200 dollars à la fille, à la dame. J'ai dit, oui, c'est le prix. Il dit, vos trucs là sont chers. Mais ce que tu payais avant là. Donc, laissez ça, les perruques dures, là, laissez quoi. C'est mon style qui est là. Chacun a son style dans la vie. Mm-hmm. Bon, Aya, un an, Wazimou, moi, je dis, je t'appelle ici. Mes amis, le week-end, on a eu un peu les échos. Bon, moi, le week-end, j'ai eu l'écho. Aya s'est bagarrée au concert de José. J'ai dit, tout de suite, ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, mais José, c'est sa star. Oui, oui, j'allais vite, pas bon, j'ai pas assez de temps et puis bon, je veux pas trop durer sur le sujet. José, c'est sa star. Comment elle a pu aller se bagarrer là-bas, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Bref, excusez-moi, on m'a dit, bon, il y a eu de la provocation. J'ai dit, dans le concert même, on dit, non, c'est quand ils ont fini le concert. J'ai dit, ah, ok, là, je comprends. Si c'est hors du concert, tout et tout. Et puis après, bon, je n'ai plus suivi l'affaire. Je me suis dit, bon, c'est un petit truc, tout et tout. Sur YouTube même, j'avais vu les quelques vidéos passer. Bon, comme ce sont des gens, moi, je n'écoute pas. Je ne me suis même pas hasardé même à cliquer dessus pour savoir qui, de quoi, ça dit, de quoi il en était question. Et puis, hier maintenant, c'est hier dans, à ma pause, Daniel Dohou, tu vas m'envoyer une perruque humaine, une belle perruque humaine. Ah, si tu m'envoies, je prends. Ayonia, tu m'envoies, je prends. Merci beaucoup, merci d'avance. Donc, c'est hier maintenant, je vois que l'affaire a pris de l'ampleur, tout et tout, et que... Elles sont parties à son domicile, c'est-à-dire au bas de son immeuble pour l'agresser, tout et tout, tout et tout, tout ça. J'ai dit, ben attention, c'est quand même sérieux là. Mademoiselle, je vais t'appeler mademoiselle parce que je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton visage, je ne veux même pas savoir. Je ne veux pas connaître ton visage. Je vais juste t'appeler mademoiselle ou de temps en temps la danseuse de José. C'est comme ça que je vais t'appeler. Pour être dans la vraie vie, je comprends ton action. Moi, je suis une personne, c'est comme ça que je raisonne. Je te comprends. Ça dit que Aya était ton ami et puis maintenant ton chum sortait avec sa soeur. N'est-ce pas? Je peux comprendre l'action que tu as. Ça dit le mécontentement. Oui, je vais dire ça comme ça. Le mécontentement que tu as vis-à-vis de Aya. Parce que tu te dis que c'est sa soeur et puis elle sait que le monsieur était ton gars et puis bon, elle est partie. Ça dit, sa petite soeur soit ton gars. Bref. C'est ce que je dis, je peux comprendre. Même si je te comprends, Aya n'est pas la responsable. Mm-hmm. Tu comprends ce que je te dis? Tôt ou tard, on va t'envoyer ma vidéo, ça c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un auquel on n'envoie pas ma vidéo. Donc, les affaires de on se bat pour les garçons, arrêtez vos hypocrisies là. Les vieilles mères même se battent pour les garçons là-bas. Tu comprends? Hein, les vieilles mères se battent, elles luttent pour garder leur gars là-bas. Donc, des jeunes filles qui font ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais tu t'es trompée de cible, ma chérie. Tu t'es trompée de cible. Le fait que tu ailles t'en prendre à Aya, ce n'est pas elle la responsable. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, je te comprends. Si moi, j'ai une amie et puis je vois que, voilà, vous elles se connaissent, tout à fait. Je vois que mon amie, sa petite soeur sort avec mon chum, je ne vais pas apprécier. Je vais même en vouloir. Ça, c'est les choses de la vraie vie, on est en train de dire. Enlevons les hypocrisies de Facebook. Je ne suis pas là pour ça. Je parle des choses de la vraie vie. Mais tu t'es trompé de cible. Merci beaucoup. Ce n'est pas Aya ta cible. Surtout que hier, j'ai écouté le voice où vous avez essayé de discuter. Bon, où vous êtes enregistré. Parce que c'est qu'elle est enregistrée. C'est toi aussi, tu l'avais enregistré. J'ai écouté ce qu'elle a dit. Effectivement, ce n'est pas elle. Tu t'en prends à ton chum, tu comprends, à ton chum, à ton copain. C'est à lui que tu t'en prends. Tu ne viens pas déverser ton venin sur Aya. En plus, quand on m'a dit la danseuse de José, j'ai dit, ben attends. José l'enlève en France et puis elle vient danser avec elle en Abidjan, elle vient danser avec elle en France et puis elle se comporte comme ça. Ben moi, tout de suite, je vais te limoger. C'est là on a dit non. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai compris que bon, tu résides en France. Vos habitudes là-bas. Comprenez? Je te comprends, ma chérie. Dans la vraie vie, là, tu dois des excuses à Aya. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux ou quand on déteste quelqu'un, on fait le mal et puis on dit oui, c'est bien fait. Tu lui dois des excuses parce qu'elle n'est pas vraiment
Ça dit, c'est pas à elle que tu devrais t'en prendre. Commencez à vous en prendre à vos copains, à vos chums avec lesquels. Surtout que ton gars là, c'est comment nous on appelait ça de notre temps. C'est ce qu'on appelle les gars Toto Boto. Ça dit les gars qui sont sur deux fronts. Hein? Il te faisait croire qu'il n'était plus avec l'autre alors qu'il a mougoussé et puis il te mougoussait vous deux. Vous deux, il était sur les deux fronts ce gars là. C'est pas un bon mec, il est pas sérieux ce gars là. Tu comprends? Pour lui, tu t'en vas l'agresser. Là, sur ton milieu de travail, où tu étais allé pour gagner ton pain, pour danser là-bas, tu t'en vas faire ça. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas une raison pour te battre avec elle. La communication aurait pu passer. Tu comprends? Elle a tout fait. Aya a expliqué, elle a tout fait parce qu'elle sait déjà, elle se sent déjà mal le fait que tu es son amie et puis sa petite soeur sort avec ton chum déjà. Tel que je connais Aya, elle ne se sentait pas déjà bien avec ça. Donc, tu ne peux pas venir l'agresser. Ou bien c'est parce que c'est Aya. Hmm? La danseuse. C'est parce qu'il s'agit de Aya. Ça dit Aya qui est là, qui est toujours, qui est là, qui n'a pas de... Aya qui est le propriétaire sans poulet. Donc, ça dit poulet sans propriétaire, excusez-moi. Quand chacun vient et puis il fait dessus, il fait ce qu'il veut. Chacun vient et puis il picore, c'est ça? Vous ne vous êtes pas bien comporté. Je vous dis ça en tant qu'une grande sœur. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas qui vous êtes là, mais votre comportement, il n'est pas correct vis-à-vis de Aya. Comprenez? Tu es une danseuse, mais prends ta carrière au sérieux. Tu peux imaginer là, tu viens te plonger dans un scandale comme ça. Ça dit vous-même là, ça dit vous prédestinez même à des échecs dans votre vie. Toi qui es une danseuse, tu as le nom de José sur toi. Hein? Et puis tu viens pour te bagarrer là-bas. Quel artiste qui va aller en France et puis il va te prendre encore pour dire, bon, on va te dire, bon, elle sait danser. Hein? Quand on va dire, elle sait danser là, ben, excuse-moi là, c'est ton passé qui va ressurgir. Cet artiste va dire, ben, c'est pas elle qu'on a dit, elle s'est battue sur les réseaux sociaux. Alors que tu as une carrière. Vous comprenez? S'il vous plaît. Monique épingle. Ok. Je vais épingler. Je n'ai pas encore vu. Vous comprenez? Prenez vos carrières au sérieux. La musique là, la danse là, des gens excellent avec ça en Europe. Hein? Toi, tu es une danseuse, c'est pas là que tu t'en as fait. Et si ça s'arrêtait que là? Quand le dernier bangman qui est arrivé sur Aya, elle a fait par là, ben, ce jeune homme, je lui avais dit que désormais, prends tes ongles pour te défendre. Enlève même l'œil de la personne qui vient t'agresser. Parce que là, c'est la légitime défense là. La personne vient t'agresser là. Tu prends ce que tu as sur toi. Mais où on est arrivé là? Je crois que les ongles ne suffisent plus. Aya. Tu as vu ça là? Ça c'est Yibanyu. Chez nous on appelle ça Yibanyu. En Djula on appelle ça Frotogi. En Baoulé, je crois que c'est Makuzwe. Genre jus de piment ou bien, comment on dit ça? Ou bien sauce de piment. Je crois que tu dois faire un petit, tout petit, quand hein, ça là c'est petit, c'est ce que tu as mis un peu de truc en bas. Je crois que ça là, tu dois faire ça, mettre dans le petit sac à main que tu prends pour snapper là. Tu dois prendre ça et puis te sécuriser avec ça. On est rendu là malheureusement. Parce que le dossier pour lequel on devait t'agresser, c'est toi qui couches avec, Aya couche pas avec le monsieur, donc ma chérie, la danseuse, pourquoi tu viens l'agresser alors qu'elle ne sort pas avec ton chum? Si elle sortait avec ton chum, on va dire, mais en prends-toi à ton chum, on va parler, mais dans le fond, on voit que tu te débats pour ton gars. Mais ce n'est pas elle la cible. En plus, tu étais déjà avec le chum. Tu étais en position de force déjà, parce que la personne de Aya t'a dit que le chum ne sort pas avec toi. Il n'est plus avec toi. Et puis maintenant, Aya même t'a vu derrière le gars. Donc, elle a compris que le gars, c'est un faux type, c'est un menteur. Comme il a dit, c'est le gars Toto Boto. Donc, tu viens l'agresser maintenant. Pourquoi? Aya, où on est rendu là? C'est ce que je suis en train de te dire. Yibanyu. Tu prends le Yibanyu dans le petit sac à main que tu prends pour snapper. Ou bien quoi? Hein? Parce qu'il te voit, tu n'as pas trop les gros sacs à main. C'est déjà un avantage. Parce que par là, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Hein? On ne sait pas où le. Quand ça commence derrière là, quand le sac est petit derrière là, tu peux prendre le Yibanyu, tu mets ça dans la poche maintenant. Et puis maintenant, tu es là. Puis tu es prête. Si tu as versé ça là dans le visage de quelqu'un, je crois que on va commencer à avoir peur de toi.
Hein, pas les ongles, là, pas les ongles, les ongles, là, c'est pas bien limé. Donc, même si tu traces la personne, là, ça fait pas. Tu n'as pas limé, tu n'as pas dit à la manicureuse qui te fait la manucure, non. Il faut le laisser ici au cas où je suis dans Gbangban, non. Donc, ça veut dire que les ongles même commencent à ne plus être efficaces. Prépare ça sur toi. Tu comprends? Tu fais petit même, petit comme ça. Puis tu colles ça sur toi. Et puis tu sors. Mais comment on peut pousser le culot jusqu'à ce point-là? Oui, il y a une partie, en tant qu'une grande soeur, en tant qu'une aînée, il y a une partie que je n'ai pas appréciée pour toi. Même Wendy m'a dit, non, maman, je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est de ton époque. J'ai dit, ok, même. Soit. Tu comprends? Comment on peut pousser le culot jusqu'à ce point, je disais? Aller jusqu'à trouver quelqu'un dans son immeuble. Mais pour dire que je suis là, je suis déjà prête pour parler. Mais il a dit, on avait fait premier palabre là-bas, au restaurant où on a mangé, nous deux. Mais si tu es retourné au restaurant, c'est que tu n'es plus rassasié, tu n'étais pas rassasié. On s'est battu là-bas déjà, on a essayé là-bas. Et puis on a laissé là-bas, et puis tu es venu, mais tu retournes encore sur le lieu. C'est qu'il y avait une satisfaction, c'est que c'est toi qui n'étais pas satisfaite. Par là où j'étais frappé, il y a déjà gagné, il ne revient plus dessus deux fois. Et vous partez chercher une meute des amis avec lesquels vous venez au bas de son immeuble pour venir l'agresser. Ça se fait pas. C'est quoi? Parce que vous dites que vous avez les papiers, n'a pas de papiers. C'est ça qui vous donne, c'est-à-dire qui fait que vous vous permettez tout ça. Non, faites pas ça. Vous comprenez? Mais vous êtes là-bas pour vous chercher. Vous êtes là-bas pour une vie, non? Vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous réfléchissez, quoi. Franchement, revoyez-vous là-bas. Revoyez-vous, ça ne se fait pas ce genre de comportement-là. Désormais, quand il vient t'agresser là, hein, ça dit, cherche même à enlever, ça dit, Samanwa Djaba, je ne sais pas comment il va t'expliquer ça, ma fille, hein, ma doudoune Aya, ça dit, Djaba, le kouroussi, le caleçon, avec le mankou là, mankou, le mankou, l'eau de piment. Ça dit, je sais que c'est par là, mais il faut chercher tes parties stratégiques. Où tu vas les marquer même. Parce que comment on peut laisser, on peut venir quand, dans le domicile de quelqu'un, au bas de l'immeuble de quelqu'un, et puis faire les snaps pour dire, je suis là, tu dis tu es femme, faut venir, tout et tout. Ça ne se fait pas. Comme je dis, parlable de femmes, deux femmes pour garçons, j'ai déjà vu ça dans ma vie. Donc, il n'y a pas dit ici que non, vous vous battez pour garçons. Aux États-Unis, dans un magasin, on est parti, il y a deux femmes qui se sont prises, deux Américaines qui se sont prises sous nos yeux. J'ai dit, hein? À New York, je me rappelle très bien cette scène-là. Donc, on parlait des garçons là, mais seulement que c'est pas Aya. Si tu voulais chercher la cible que tu voulais, peut-être c'est la petite soeur de Aya, tu allais chercher. Mais malheureusement, là où on voit qu'il y a de la provocation pure et simple, tu étais déjà avec le gars. Donc, quel est, ça dit, c'était quoi le but recherché pour venir faire ce que tu es venu faire là? Pourtant, tu as une carrière. Demain, vous faites comme ça, quand vos carrières ne vont pas décoller, c'est pour dire non, on a dansé derrière, vous allez conjuguer votre vie au passé. Toi, la danseuse, c'est à toi que je parle. Avec ce comportement, c'est pour conjuguer la vie au passé. J'avais dansé à Aïcha Kone, j'avais dansé à Louga François, j'avais dansé avec Michael Jackson. Ça allait être j'avais au passé composé. Ça, au passé, on parle plus du présent, hein, et le futur même est déjà grillé. Avec cette bagarre-là, tu t'es déjà étiqueté. Au lieu qu'on te reconnaisse comme une danseuse, une grande danseuse, José, une artiste emblématique, une artiste charismatique comme ça. Tu as eu déjà le privilège de danser avec José. Au lieu que ce soit le nom de José, en tant que de la positivité qui va être là, c'est ton palabre derrière José là. Est-ce que c'est correct? C'est bon pour toi? C'est pas bon pour toi. Franchement, revoyez-vous. Vous comprenez? Revoyez-vous là-bas. C'est dire, je sais pas comment. Je le dis souvent, mais quand je parlais, on me disait non, elle se pète là-bas. Tant. Je vous ai dit, il y a des choses que vous faites en France. Il n'y a pas un blogueur ici au Canada qui va faire ça. Il n'y a pas un blogueur.
J'ai un abonné un jour, en été ici, là. Il passait, il me regardait. Il passait, son enfant, il marchait, il faisait la marche dans le quartier. Il me regardait. Dans mon cœur, il dit, tu es en train de me regarder, là. Je sais que tu as quelque chose à me dire, mais moi aussi, je t'attends ici. Dieu merci, au retour, encore, quand il revenait, il m'a vu. Il m'a dit, mais Monica Z, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, donc tu es ma voisine. C'est ici que tu habites, mais dans tes vidéos, j'entends que tu habites là. J'ai dit, oui, dans mes vidéos. Je n'ai pas donné mon adresse dans mes vidéos. Maintenant, si c'est toi qui t'as dit aux gens ici, j'habite. Il dit, non, hein. Et moi, je peux publier ton adresse sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils connaissent la loi. Mais on publie des adresses sur les réseaux sociaux. On fait tout ce qu'on veut. Même dans l'affaire du conflit, Don Giovanni, temps, quand le bois des bois avait publié le nas de choses, j'ai signifié la gravité, mais compte tenu de ce que lui aussi il faisait, bon, nous, on a laissé ça là. Donc, il y a des... Ça dit que vous poussez même le bouchon très loin là-bas. Mais vous êtes parti dans les pays des gens, vous faites n'importe quoi là-bas. Concentrez-vous sur votre vie. Vous croyez qu'on reste indéfiniment jeune? On ne reste pas indéfiniment jeune. Il y a 10 ans, on retourne 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Nous, on se prenait pour les jeunes, on s'est dit, mais aujourd'hui, quand on parle, on est en train de parler en termes de vieillesse. Tu t'entends dans la cinquantaine derrière, ça veut dire que tu as déjà fait la moitié de la vie sur la terre. Vraiment, toi, la danseuse, tu as sali le nom de José. Merci beaucoup. Tu as sali le nom de José. Normalement, pour ta carrière, là, tu devrais venir présenter des excuses pour cet acte que tu as posé. Tu comprends? Parce que tu as mélangé ton travail. Aujourd'hui, là, tu as mélangé ton travail avec n'importe quoi. Ou bien ta carrière de danseuse, là, c'est un hobby, c'est quelque chose que tu fais comme ça. C'est pas, tu as ton travail bien là-bas et puis tu fais juste la danse. C'est à cause de quel garçon même qu'on est venu faire tout ça? C'est qui? Garçon qui pique ici, qui pique ici. Le mougousseur de deux cons en même temps. Hein? Mougousseur de deux cons en même temps. Il enlève là-bas, il enlève ici, puis il vient, et puis vous ment. C'est à cause de lui, tu viens comme ça, salis ton image. Ma doudoune, hier, j'étais en train de dîner. Vous savez, moi, tous les soirs, ma fille me raconte ses journées. Moi aussi, je lui parle un peu des choses des réseaux sociaux. Je n'ai pas apprécié la partie où on t'a snappé, tu étais dans ta maison, on t'a snappé, puis tu es descendu. Je te parle en tant qu'une grande soeur, en tant qu'une maman, en tant que tout ce que tu veux. Wendy m'a dit, oh maman, ça c'est les conseils de ton époque. J'ai dit, oui, ça c'est les conseils. Dans la vraie vie, ma camarade femme vient à mon immeuble, elle vient me snapper pour me menacer, pour me donner des défis. J'ai dit, donc si c'est toi, tu vas descendre. Elle dit, si c'est moi, je vais descendre. J'ai dit, d'accord. Ben, faut descendre, mais moi, elle te donner conseils des années de mon époque. Les années de mon époque, les conseils des années de mon époque, tu n'aurais jamais dû descendre de cette maison. Je n'ai pas aimé cette partie-là. Tu comprends? Tu n'aurais jamais dû descendre. Lui donner cette opportunité-là. Venir au bas de ton immeuble. Imagine-toi, si elles avaient quelque chose, genre un petit quelque chose, genre une âme blanche, quelque chose, et puis elles t'agressaient avec ça. Surtout que la police était déjà venue une fois. La prochaine fois, quelqu'un qui vient te menacer au bas de ton immeuble, s'il te plaît. Tu comprends? On sait qu'on te cherche. Moi, je te donne un conseil de mère. Je te donne un conseil d'adulte. Je sais que tu es cherché tout et tout. La preuve, j'ai déjà tout expliqué. Des gens qui viennent au bas de ton immeuble, là, même si on dit tu es sans papier, oh, tu es quoi, oh, appelle la police. Ne descends plus de ton immeuble où tu es là-bas. Si elle dit qu'elle est femme, là, elle n'a qu'à monter. Là, maintenant, si elle monte jusqu'à... Puis, elle connaît ton adresse, je suppose que elle connaissait le numéro de la porte. Donc, elle dit qu'elle était femme, non. Elle devait monter jusqu'à au niveau de la porte, là-bas. Ne descends plus jamais. Des gens qui viennent... Si la palabre t'a surpris, là, d'accord. Mais on vient au bas de ton immeuble, on te menace, attends, ne descends plus parce qu'on aurait pu t'agresser, là. Oui, c'est vrai, on te donne raison, mais le fait que tu sois descendu, moi, je n'ai pas apprécié. Moi, il dit même, je l'attends le soir. Quand elle va venir, elle va faire ça aussi. Donc, non, toi aussi, tu peux faire ça. Elle dit, oui, je peux faire ça. Ça, c'est vous, les jeunes. Mais je te donne des conseils. Merci pour les étoiles, pour la personne qui m'a donné. Alice Ntemaku. Ne descends pas. Si on veut, on a qu'à dire que tu as peur d'elle. Tu es tant. Sois un peu intelligente. On sait que tu m'as parlé. Elle va te frapper où? Tout et tout. Par là, même où trois personnes même sont venues.
Pendant que tu dis que tu es forte là, mais en venant là, tu viens comment tu es toi seule, façon que tu l'avais agressé dehors au concert là-bas là. C'est comme ça que tu viens maintenant. Mais tu es venu, tu viens un renfort. Par là où on vient un renfort là, c'est pas à faire. Modeste, ces points, merci pour les étoiles. Ouh là là. Pense à ta vie, ma petite. Hier, tu as fait anniversaire 30 ans. Tu parlais, il y a des choses que je ne veux plus faire. Oui. Quand tu es rentré dans les 30 ans aussi, là, chez nous, on dit, Girabe, il est pris. Ça dit, il faut regarder comme ça. Et puis, tu vas passer. Il y a des jours, même, elles vont te provoquer. Tant que ce n'est pas le corps à corps où tu as sorti le yibanyu, ou bien tu as sorti l'eau pimentée, là. Mais on va venir quand dans ton immeuble, elles sont en bas, et puis elles te disent, descends, on t'attend ici. Si tu es femme, tant. Tu comprends? Vous comprenez? Ne descends pas. Ça ne fait pas de toi une personne qui a peur. Ça ne fait pas de toi une personne irréfléchie. Non. La prochaine fois, je n'ai pas aimé la partie où tu es descendu. Je n'ai pas aimé. Ça, je te le dis clairement. Mais est-ce que vous trouvez que non? Je cause souvent avec des gens, ici en France, la police ne considère pas quand on les appelle, ils ne viennent pas. Mais regardez ce genre de comportement. Hein? Regardez ce genre de... Mais quand ils sont venus, on vous a dit rentrez. Et tu es rentré, après tu es redescendu. Eux aussi, ils étaient là. Non, on ne fait pas ça. Tu comprends? On dit que c'est de la légitime défense. Mais la justice, là, nous, on parle comme ça. Mais est-ce qu'on connaît les rouages de la justice? Oui, c'est vrai, ils sont venus tant. Mais ils t'ont appelé, tu es parti, tu es descendu de ta maison, tout et tout. Alors que tu aurais pu appeler la police, tout. Il y a tout ça qui vient dans la justice. Il n'a pas fait le droit, hein, mais il y a des choses, quand tu écoutes aussi à la télévision, tu peux comprendre que oui, on dirait que c'est vrai, j'avais raison. Mais le fait que je suis descendu et puis il y a eu agression, tout et tout, là, cette raison-là, on va la couper en deux. Ah oui. C'est ce que je te dis, c'est ça qui est ça. Hein? Violation de domicile, là, il y a deux. Hein? Il y a quand la personne est rentrée dans ta maison et puis il y a la personne est au bas de ton immeuble. Allez regarder les triédits, les affaires de, comment on appelle ça, crime et investigation. J'écoute, donc souvent, j'essaie de comprendre. Il y a deux. Elles sont venues dans ton périmètre, d'accord, dans ton rayon. Mais le fait que tu sois descendu là... Fais pas ça. Ne sors plus jamais. Surtout que tu n'étais même pas ami. Tu as dit que vous n'avez même plus le snap ensemble, tout et tout. Vous n'étiez plus amis. Donc ne viens pas là. Pas là-bas, Boyanki. Pas là-bas, Honoré qui. Pas là-bas, Grandi qui. Ceux qui ont évolué dans Palabas, qui ont mangé les uns des Palabas, c'est les boxeurs. À part ça là. Pas là-bas, toujours dégradé. Comme disait mon père, est-ce que par exemple, tu as fait Palabas, on va t'applaudir? On va pas t'applaudir. On pouvait te faire le mal là. Et puis j'ai dit, ce que j'ai remarqué, hein, il y a des homosexuels qui sont papatos quand même. Hein. Ça dit, eux aussi, c'est des cogneurs de tête, il paraît, ceux-là. Les garçons homosexuels, on dit, c'est des cogneurs de tête, des colporteurs de nouvelles. Parce que j'ai remarqué que dans Palabre de femmes, vous êtes là-bas. Moi, je ne vous comprends pas. Dans les palabres de femmes en France, là-bas, ou bien même à Abidjan, je vois les trucs des vidéos, quand tu vas à Makori, là, on dit les PD qui sont là-bas, là, leur affaire de palabres, dans palabres de femmes, vous êtes là-bas. Vous faites quoi dans palabres de femmes, là-bas? Et toi, tu te mets dedans, bon, tu te mets parmi les femmes là-bas pour venir régler, pour venir faire palabres aussi, tu tapes, aïe, là-bas, amounia. Franchement, revoyez-vous. C'est votre comportement là qui a gâté le nom de la France aujourd'hui. À quoi ça, les Noirs, les immigrants africains sont mal vus en France. Je le répète énième fois. Ça dit, vous avez déporté même l'Afrique là-bas avec ce genre de comportement. Ah, en tout cas, ce sont vraiment votre côté femme là, c'est vrai, hein? Le fait que vous êtes retrouvé, ça dit qu'avec vos tendances sexuelles, vous êtes retrouvé là, ça vous rejoint vraiment. Mais je ne comprends pas. C'est ça.
On ne reste pas éternellement jeune, la jeunesse. Quand vous, ça dit, souvent, nous, on vous voit, vous nous faites rire. Regarde-moi cette vieille-là, regarde-moi ce vieux. Vieille et puis vieux n'est pas un jus. Bon, c'est à nous, dans notre jargon africain, on a transformé ça comme un jus. C'est soit. C'est soit. Vous comprenez? Nous, on accepte. Mais dis-toi qu'on tombe dans 2022, là, un an va tomber encore sur toi. Mais moi aussi, quand pour moi, augmente, là, est-ce que pour toi, recule? Ton âge ne recule pas. Donc, le vieux, la vieille, regarde-moi cette vieille-là, c'est pas un jus. Vous comprenez? Revoyez-vous. Prenez-vous en main là-bas. Prenez-vous en main. On veut une jeunesse forte. C'est-à-dire, on veut des enfants d'immigrants qui sont, c'est-à-dire, qui sont dans des pays qui représentent valablement ces pays-là. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas des enfants d'immigrants qui sont que bons pour les fast-food, qui sont bons que pour travailler dans des petits coins. C'est pas ce qu'on veut. On veut des enfants d'immigrants qui vont nous repenser que là où vos parents sont pas arrivés là, comment vos parents ont grouillé là-bas là, et puis ils vous ont amené, ils vous ont accouché là-bas là. On veut que vous dépassiez vos parents dans les sociétés où vous êtes. C'est ce que nous on veut. Vous comprenez? Là, ça fait que vous êtes tellement... Je vois des jeunes en France, vous êtes nés là-bas et vous êtes dans les diocies, vous êtes dans les... Comment on appelle ça? Vous êtes dans les diobines encore. Mais tu as échoué. Si tu es né en France, tu es né aux États-Unis, au Canada, et puis tu es dans les diobines, tu es dans les petits diocies, mais tu es passé à côté, tu as foiré ta vie parce que tu aurais pu faire de belles études. Ah non! Mais vous ne voyez pas ça comme ça. Vos parents sont venus, ils ont travaillé dans les usines. On a fait le ménage dans les maisons. On a travaillé, on s'est saigné en 10. Mais quand vous arrivez devant, c'est le côté de la rue, c'est la vie facile, vous voyez. Vous ne voulez pas aller de l'avant. Hein? Cette fille qui vous vous battez comme ça dans les rues là, on va regarder, ça fait longtemps que vous êtes en France. Ça fait longtemps que vous êtes là-bas. Et vous n'avez rien fait de vos vies. Franchement. Revoyez-vous. Diana, comment tu vas, Miss Bowie? Vous êtes ratée? Ta maman est venue en Europe, elle a fait le ménage. Elle a fait le ménage. Parce que c'était dur pour elle. Pour avoir les baisses là, c'était dur pour elle. Elle est venue au Canada, elle a grouillé, elle a eu son statut. C'était dû pour elle, elle vous a fait venir. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu quoi? Gardien. Gardien d'immeuble. Tu as échoué. C'est ce qu'elle dit. Tu es devenu quoi? Tu as pris la relève de ta maman ou de ton papa d'entretien ménager. Tu as échoué. Tu es devenu quoi? Comment on appelle ça? Tu as pris la relève. Où il a fait préposer. Wendy va devenir préposé. C'est que Wendy a échoué. Clair que ça. Voilà. Parce que tu aurais pu faire mieux. Tu avais toutes les opportunités. L'Occident, c'est là où il y a tout pour que ça dit vous évoluez. Maintenant, vous laissez ça. Vous prenez la voie facile. Vous prenez les comportements. Ça dit que ça dit les comportements de ghetto. Tout simplement parce que c'est si facile pour vous. Revoyez-vous. Ici, on a déjà travaillé là-dessus, hein, avec nos enfants ici au Canada. Les enfants d'immigrants, là, le minimum, là où ils s'en vont, ça dit, je prends plus la communauté africaine. Nos enfants, ils font quand même l'effort. Dieu, donc, parce que ici, il y a études sport, il y a tel niveau, tout et tout. Même dans études sport, là, ils savent qu'ils doivent au moins dépasser le secondaire 5. Mais quand ils ont dépassé le secondaire 5, c'est le siège, puis ils s'en vont. Donc, c'est déjà bien. On a travaillé dessus, on travaille dessus fort. Pour que nos enfants ne soient pas des employés du McDonald's ou bien des employés du KFC, tout et tout. Non, nous on a fini avec ça. Eux, ils passent là maintenant, là, ça dit pour chercher leur petit argent de poche en été, tout et tout. C'est ça, on est rendu là. Voici des conseils que moi je donne aux immigrants canadiens. Poussez vos enfants plus loin. Et je vois que très souvent, ça marche. Comme j'ai dit, nous, les 10 familles qui avons immigré il y a 12 ans, là, ceux qui sont plus âgés que Wendy, eux tous, ils sont sur la rue de l'université. C'est ça que ça. On travaille là-dessus. Mais vous refusez même que vos parents travaillent
C'est sur les relations là-bas. Vous refusez, vous, ces jeunes-là, là-bas. Parce que c'est la voie facile, vous prenez là-bas. Vous êtes les stars des réseaux sociaux, hein. Mais on ne va pas rester stars des réseaux sociaux indéfiniment. Amusukum. Allez chercher, ça dit que des trucs qui vont vous sécuriser pour demain. Cette jeunesse de influenceurs, de quoi, de stars des réseaux sociaux. Mm. Vous êtes influenceur, hein? Vous avez 10 milliards de vues, mais la vie ne se bâtit pas à ça. Allez faire des formations au moins. Allez faire des formations. Vous avez des papiers là-bas. Faites des formations pour que demain matin, mais cette vie des réseaux sociaux, on est fatigué. À un moment donné, on sera fatigué de ça. Mais qu'est-ce que tu auras bâti avec les réseaux sociaux? Tu auras bâti quoi? Moi, je veux des jeunes blogueurs. Vous avez votre travail. Et puis, vous venez faire le blog à temps partiel. Moi, ça dit, on sera plus fier de vous. Vous comprenez? Vous avez votre travail. Vous avez votre formation. Exemple, tu as tel travail. Tu attends ton temps. Et puis maintenant, bon, à tes heures perdues, tu viens faire le blog. C'est fine. C'est bien comme ça. Comme ma fille ici au Canada. Mon Toubabou, elle est infirmière. Le blog, elle le fait à temps partiel, tout et tout. Mais le blog est donné le travail matin, midi, soir pour dire que je suis star. Mon frère, ma soeur, tu es star des réseaux sociaux, d'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qui est garanti. C'est pas. Ça, mais tu peux pas. Attends, tu fais des projections sur ça à long terme. Alors que ton diplôme de ta formation que tu vas faire là, c'est quelque chose que tu as pour toi. Ça dit c'est quelque chose qui te rend solide pour l'avenir. Revoyez-vous là-bas. Revoyez-vous. S'il vous plaît. Notre nom est gâté partout. Notre nom est gâté partout. Si notre nom est gâté encore là. Oh oui, notre devancier, on fait notre nom est gâté en Occident, tout et tout, de par leur comportement. Mais nous, nos enfants peuvent, ça dit, redorer notre image. Nos enfants, là, pour que vous puissiez être bien dans une société, là, c'est faire des études bien, vous assurer, vous arrivez dans un pays, vous faites vos études, là, tôt ou tard, vous allez avoir votre place qu'il vous faut. Mais vous ne voulez pas aller à l'école. Vous voulez la vie facile. Hein? J'ai causé récemment avec une personne. Vous êtes né en France, mais vous avez le comportement. Vous êtes né en France, mais vous détestez les cultures ou bien les habitudes de là où vous êtes. Ça dit, vous êtes né au. Non, je ne parle pas du Canada parce que ici, je vois comment nos enfants, quand même, dans la majorité, on les écoute. Les enfants que vous avez accouchés en Occident, là. Chers parents africains, laissez-les prendre au moins une partie de là où vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes dans vos maisons, arrêtez de mépriser là où vous êtes. Parce que quand vous méprisez là, les enfants grandissent avec ça. Ils n'ont que ça dans la tête. Comment vous pouvez comprendre qu'un enfant qui est né en France, qui est né aux États-Unis, qui est né au Canada, déteste là où il est né. Il n'est jamais allé en Afrique, mais il déteste l'Occident où il est. Ben, c'est les parents. C'est votre comportement, comment vous vivez, les communications que vous avez dans vos maisons. C'est ça qui impacte négativement ces enfants-là. C'est pour ça que ces enfants n'arrivent pas à prendre leur marque là où ils vivent. Sinon, tu n'es jamais allé en Afrique. Tu connais que l'Afrique par la nourriture que je te donne à la maison. Donc, pourquoi tu vas détester où tu es? Tu as parlé mal de la France, tu as parlé mal du Canada ou des États-Unis où tu vis. Vous n'arrangez pas les enfants comme ça. Laissez-les, ils vont s'incruster là où ils sont. Ils vont prendre le. Laissez-les s'imprégner d'eux-mêmes des réalités qu'ils vont vivre. Vous comprenez? Parce que c'est là qu'ils vont vivre. C'est là qu'ils vont faire des études. C'est là qu'ils vont bâtir leur vie pour demain. Donc, si tu apprends à ces enfants-là à détester, ça dit que tu montres que le mauvais côté du pays où ils sont nés ou bien où ils ont grandi, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont tirer de positif dans ces pays-là? Ils vont même trouver que leur école là, moi je ne vais pas à l'école ici. Moi j'allais chercher mon argent. Non. Allez à l'école. On ne va pas à l'école pour devenir riche, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous comprenez?
Comprenez? On va vendre sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, là, tout ça, ça va passer. On ne peut pas rester dedans indéfiniment. Vous comprenez? C'est qui a écrit ça? Bon, je comme parfois tu sais pas à qui elle répond. Donc tu OK. Natacha. OK, parfois tu sais pas. Revoyez-vous cette jeunesse là. De quelle heure là? Oh, il est déjà 55. Revoyez-vous. Donc la danseuse, j'ai profité de toi, j'ai donné des conseils en général. La personne qui veut mettre sa caméra et faire 10 vidéos, j'ai dit je n'écoute pas. Vous comprenez? Revoyez-vous. Pensez à demain. C'est pour demain qui est bon. Pensez à demain. Préparez votre avenir. Préparez ceux de vos enfants. Vous comprenez? Ne regardez pas pour aujourd'hui. Ces conseils-là, quand nos parents nous donnaient ça, qu'est-ce qu'on disait? On voyait un peu ça en mal Dieu. Mais avec le temps, on a compris. On prend pas la, on va pas chez quelqu'un aujourd'hui pour agresser la personne. Ça ne se fait pas. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, tu as l'image de José sur toi, mais de la façon négative. Alors qu'en tant qu'une danseuse de José, ça allait être quelque chose de positif. Aya, ne descends plus jamais. Tu es quelque part. Tu es chez toi ou bien je ne sais pas quelque part où on sait que tu es. Et puis on t'appelle, viens faire par là, tu ne descends plus. Parce que tu peux te faire agresser, ça dit, tu peux subir quelque chose de grave. C'est ce que j'ai à dire. J'ai fini de dire pour moi. Donc, prenez soin de vous. Ciao.